qu'est-ce que vous foutez? Vous avez pas vu le dernier épisode de Beau et Tox? Hé! Mais voilà le résumé! Oh putain! Ah ouais, d'accord. Donc en gros, tu vas arrêter de parler dès que tu me vois, c'est ça? Pedro, tu peux dire à la personne située à côté de toi qu'elle m'indispose vachement? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle fait chier personne, là. Pour une fois. C'est personnel, je te ferai dire. Frida, c'est la catastrophe! On a presque plus de saucisson. Moi, je vais terminer mon salami dans ma chambre. T'as qu'à finir tout seul. On fait une bataille, je vais pas jouer à la bataille tout seul. T'as qu'à supputer que vous êtes deux. J'ai qu'à supputer quoi? T'es que vous êtes deux. Alors super, il est 21h30, je rentre à la maison et personne me demande comment s'est passé mon casting. Bah tu peux essayer à 21h31, mais il y a de grandes chances qu'on s'en foute aussi. Donc en fait, personne veut savoir comment ça s'est passé. Voilà. Mais c'est vraiment du pur racisme, anti-top modèle. De toute façon, j'allais préparer une compil de chansons super tristes et je vais l'écouter en pleurant dans la rue. Ok, tu peux éviter de marcher sur les cartes avec tes talons de pouf? Parce que ça se voit pas comme ça. Mais derrière ma beauté exotique, il y a une petite africaine hyper sensible et remplie d'amour. Donc visiblement, t'as pas compris ma phrase précédente. Je ne suis pas qu'un emballage, je suis aussi un contenu. Raffiné comme une douce friandise. Ouah! Elle est où cette conne? Elle vient de partir. Pas elle, l'autre conne. Il va falloir leur trouver des noms parce qu'on va pas s'en sortir. Nicole! Bah, je suis là! T'es là depuis combien de temps? J'ai passé la soirée avec vous, je vous signale. En plus, j'étais en train de gagner. Ce serait bien qu'un jour on sache que j'habite ici, hein. Bon, la conne numéro 1. C'est quoi cette merde dans le congélo? Ah, ça? C'est un bol de poils. What? Oui, un bol de poils. Des poils de minou. J'ai la bizarre intuition que ça va m'énerver dans tous les cas, hein. Mais dis-moi, on parle bien d'un animal de compagnie, là? Ben non, je parle des poils de ma chatte. Quoi? En fait, ça a commencé quand j'ai rencontré ce type. Je suis pas mal curieuse de savoir comment on va en arriver à la conclusion que t'as foutu des poils de chat dans le congélo. Et soudain, alors que je suis sur la ligne 4, tranquille ou net des lunettes, il me dit que je suis vraiment une mademoiselle trop charmante. Ah bah oui, hein. Moi, dès qu'on me dit que je suis charmante, je fous mes poils de chat dans le congélo. Normal, quoi. Non, mais attends. Ce type, il fabrique des poupées mannequins au Cameroun. Et les poupées mannequins, c'est comme des mannequins, mais en poupées. Donc, c'est comme des gens, mais en petits. Et les gens, ils ont des cheveux. Et ben, les poupées, elles ont des petits cheveux. Tu vois la petite veine qui s'agite comme une malade sur mon front, là? Attends. En gros, tu penses que des petites filles vont jouer avec tes... Tiens, c'est marrant, j'avais jamais vomi du salami. Je les garde au frais pour lui donner demain soir. Parce que les poils, c'est des petits cheveux. Et les petits cheveux, c'est des petits êtres vivants. Et s'ils vivent pas, ben... Ben, ils meurent. Et les poupées mannequins, elles peuvent pas avoir des cheveux morts sur la tête. Y a pas un univers parallèle où t'es pas complètement débile? Je crois que c'est toi qu'on aurait dû mettre dans le congélo. C'est drôle que tu dis ça, parce qu'une fois, ma maman, elle... Voilà, j'ai fini ma compile. Je vais certainement me faire violer dans une ruelle par une bande de psychopathes bien pervers, mais ça, faudra vous en prendre qu'à vous. Ouais, bye bye.